Bonjour, moi c'est Pas Moïse Emmanuel, j'ai 21 ans et je suis du camp Changda. J'ai découvert le Muay Thai en 2018 par le canal de mon ex-coach Lionel, qui est professionnel de MMA. Voilà, qui m'a fait travailler un peu de tout, un peu de boxe thaï, un peu de MMA, un peu de jiu-jitsu, jusqu'à ce que je rencontre mon coach actuel qui est Oli La Machine. Mon palmarès est de 5 combats, dont 3 défaites et 2 victoires suivies d'un KO. Mes objectifs dans le Muay Thai, c'est devenir un très grand champion intercontinental et d'abord de prouver dans mon pays que voilà, c'est moi le roi. Notre talent, je pense que c'est une très bonne organisation. Je participe à NAPMU Talent pour remporter la ceinture. Parce que, mine de rien, ça fait déjà 2 compétitions auxquelles je perds. Et vraiment, Dieu m'a fait la grâce de passer cette fois-ci en finale. Et c'est une occasion en or pour moi. Vraiment, je vais donner tout ce qui est à mon pouvoir pour pouvoir remporter cette ceinture-là. Parce que j'attendais cette finale-là depuis fort longtemps et je l'ai aujourd'hui. Donc c'est une occasion pour moi de prouver à tout le monde que ce Pas Moïse qu'ils connaissent là est un champion. Mon adversaire déjà, c'est un bon combattant, mais déjà nous sommes déjà croisés une fois dans la première édition de NAPMU Talent 1 et il m'a battu. Aujourd'hui nous allons nous retrouver. J'aimerais lui dire de beaucoup s'entraîner. Parce que moi, je vais prouver à tout mon public que Dago n'est rien. J'invite tout le monde à venir massivement le 26 septembre 2020 à la Fédération Ivoirienne de Boxe Thaï, précisément Lupini. Pas Moïse, c'est un très bon athlète, un très bon boxeur, courageux, on va le dire courageux. Et ce combat-là, on va dire c'est un très 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 gros combat parce qu'il va affronter, en fait, ça sera un rematch en fait, qui va se dérouler. Il va affronter son Dago, et Dago aussi qui est un très bon athlète que je respecte aussi. Mais il faut dire que la victoire sera celle de Pas Moïse parce que ce jour-là, le jour où il a perdu, il y a eu des petits détails qu'il fallait rectifier, et ces détails ont été rectifiés. Et il vous promet un très 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 gros show. Il faut que vous soyez tous là le 26 septembre.